Hey, comment nous y est? Dans vidéo aujourd'hui, je viens vous montrer comment pour mettre photo en bas clavier téléphone. Nou. Ça veut dire si vous avez écrit avec nous sur WhatsApp, dans clavier la photo va apparaître. Bral moto comment pour mettre photo dans clavier téléphone. Nou. Sans trop parler en pile, on entre dans vidéo. Pour commencer vidéo, premièrement, on a besoin d'application. Mais application ça bral moto là, il est disponible sur Play Store. Pour télécharger application, on va monter sur Play Store. Lorsqu'il est sur Play Store, après écrit mon clavier photo. Et puis l'en fin écrit, première application nous on a cliqué sur lui et puis n'a pas installé. Étant donné que j'ai déjà installé l'application mais même pas besoin d'installer encore. N'a juste cliqué sur ouvrir. L'en fin ouvrir application, n'a cliqué par aller là côté marqué définir le clavier par défaut et puis l'en arrivé là n'a cliqué sur mon clavier photo avec emoji et puis l'en arrivé là encore n'a cliqué sur personnaliser le clavier et puis l'en arrivé là n'a cliqué sur personnaliser. Et puis là nous fin cliquer sur personnaliser, n'a cliquer dans petit signe ça et puis là nous fin cliquer sur lui, n'a cliquer sur autoriser et puis kounya là l'a mené nous dans galerie téléphone nous. Kounya là n'a choisi photo nous ta remet mettre là. Et puis là nous fin choisi photo nous ta remet mettre là, n'a cliquer sur groupe et puis là nous fin cliquer sur groupe, n'a cliquer sur terminer. Et puis là nous fin cliquer sur terminer et puis là tout ba OK. Si par exemple mal sur WhatsApp, puis là m'rivé sur WhatsApp, m'a cliquer sur un contact mal écrit, puis bandam cliquer sur contact là et puis n'a prend photo apparaître automatiquement sous clavier là. Yo guys, c'est comme ça qu'on mettre photo sous clavier téléphone non. Yo guys, dans vidéo aujourd'hui, m'a devine moto comment pour mettre photo en bas clavier téléphone non. So, m'aller n'a croiser dans l'autre vidéo sur même channel ça.